L'objectif de cet événement, c'était une rencontre de communication et d'information. D'abord, ce qui a fortement marqué cet événement, c'est la présentation du rapport thématique sur la femme dans le système judiciaire marocain. C'est un rapport qui contient deux axes principaux. Le premier présente un certain nombre de données statistiques et analytiques sur la présence de la femme dans les différentes professions juridiques et judiciaires, à savoir les magistrates, les avocats, les huissiers, les notaires et les femmes ma'doul aussi, et également la présence de ces femmes dans les instances professionnelles de ces métiers, ce qui reflète d'une certaine manière une dynamique remarquable des femmes qui ont prouvé leurs compétences dans ces professions, mais aussi comme des responsables, mais aussi comme des activistes de la société civile pour la promotion de ces métiers. Le deuxième axe de notre rapport, il présente le bilan des activités du ministère de la Justice pour la protection de la femme contre la violence et pour la protection juridique et judiciaire dans les différents domaines, en matière civile, mais aussi en matière pénale. Et à l'occasion de cette célébration de la Journée mondiale de la femme, nous avons choisi de rendre hommage à un certain nombre de femmes journalistes pour leur professionnalisme. D'abord parce que ce sont des journalistes, des femmes qui suivent l'activité judiciaire au Maroc, aussi bien au niveau des tribunaux qu'au niveau du ministère, mais avec un professionnalisme remarquable. Ce sont des journalistes qui prennent la peine de prendre contact avec les services du ministère pour s'enquérir des mesures, des politiques, des chantiers sur lesquels on travaille et prendre l'information de sa source avec toute la liberté et les garanties, bien sûr, de la liberté d'expression et de commentaires. Et nous avons souhaité, à travers ce geste, encourager et renforcer tous les journalistes, que ce soit des hommes ou des femmes, pour demander l'information auprès des services du ministère. Et le ministère réitère sa disposition à plus d'ouverture, à faire en sorte que les journalistes puissent jouir du droit d'accès à l'information détenu par le ministère à travers un certain nombre d'activités événementielles, à travers le site web du ministère et des tribunaux. Donc voilà l'ensemble des activités qui ont été marquées cet événement ce matin. Je suis très honorée et heureuse aujourd'hui de recevoir cet hommage, qui est un hommage rendu également à toutes les femmes journalistes sérieuses qui travaillent avec sérieux et abnégation pour relayer une information sérieuse, une information fiable et objective. Je considère que cet hommage est rendu également au groupe Le Matin, parce qu'il n'a eu de cesse de promouvoir la position de la femme journaliste. اليوم تم تكريم ديالي من بين اربع صحفيات او خمس صحفيات اخريات من قبل وزاره العدل، وبهذه المناسبه انا تنقدم كل الشكر والامتنان لهذه البادره الطيبه
كذلك هو تكريم بالنسبة لي لجميع الزميلات بوكالة المغرب العربي اللي تهما واكبوا إصلاح منظومة العدالة واجتهدوا وتابروا تهما. وبهذه المناسبة هذه بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تنتمنى للنساء المغربيات مزيد من التمكين السياسي والاقتصادي وبتكريس المزيد من الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.